Le titre Transparent Travel, juste pour l'expliquer un peu brièvement, c'est une intervention performative et un mini biennale que nous, on a conceptualisé comme un groupe d'artistes chaque 2 ans, donc en même temps avec la Biennale de Venise. Et la valise transparente, en même temps, c'est une place d'exposition, mais dans l'autre sens, ça, c'est un objet aussi qui nous relie avec les gens, avec les voyageurs. Donc, l'espace de la galerie, l'espace du spectacle, qui est ni l'un ni l'autre, la valise devient un espace transparent, mobile, où on peut exposer à l'intérieur, pour être vu aussi à l'extérieur, mais aussi dans la performativité où l'objet même comme espace devient un élément performatif. Quand nous sommes montrés en groupe devant la porte d'entrée au Giardini, c'était très difficile à franchir les portes. Donc l'interdiction d'entrer avec un objet d'art, c'est tout à fait opposé devant nous. You need a special advice by the press office because you must sign a form for the use of the pictures and so on. Alors, l'artiste, comme toujours, si on ferme les portes, il travaille avec une stratégie de trouver une nouvelle possibilité. Donc, chaque interdiction, ça devient une source d'inspiration, une réflexion, comment on doit créer et comment on doit présenter l'art. La stratégie que nous avons utilisée cette fois, que chaque membre entre l'un après l'autre avec la valise en main, c'était efficace pour réaliser notre projet. Une fois que nous sommes rentrés à Arsenal, nous sommes mis dans une stratégie de collaboration vite. On peut dire aussi comme des soldats, de construire l'œuvre dans quelques secondes et l'œuvre se construit, ça disparaît, même si les gardiens de l'arsenal, ils voient qu'il se passe quelque chose, ils ont plus le temps d'interdire l'œuvre. Donc l'œuvre se réalise, on a la documentation et c'est efficace la façon comment nous avons pensé. Le concept d'une exposition qui s'introduit et s'infiltre dans une autre exposition. Ça devient aussi une marque aussi de l'exposition, de l'événement, où l'œuvre et l'art, en fait, tentent de dire que oui, l'art est là, ce qui est exposé, mais l'art réside aussi là où on ne le soupçonne pas.
j'ai quand même fait un lien avec la réalité de Venise, qui est un endroit où la navigation est très, très importante. Et c'est ce qui m'a inspirée de faire les petits bateaux avec des morceaux de papier, d'articles de journal que je pliais. Les petits bateaux de fortune me faisaient, pour moi, le lien entre la réalité sociale mondiale dont on entend parler beaucoup, qui est loin de nous, mais qui quand même est une réalité que beaucoup d'humains vivent dans notre époque, à cause des migrations massives. Pour moi, l'eau devient à ce moment-là un symbole de toute l'humanité dans laquelle on peut se retrouver. Pour faire un cycle avec ces petits bateaux de fortune-là, j'ai pris des captations vidéo de cette mise à l'eau-là et que j'ai reprojeté ensuite sur des gros bateaux. Je faisais en fin de compte une loupe et une comparaison qui faisait, à mon sens, encore une fois, un témoignage de notre société où les deux réalités existent en fait. J'ai, pour la première fois, réussi à intégrer une part importante de ma démarche artistique qui utilise l'image holographique à ce projet de performance. J'avais donc une plaque holographique, un film sur plexiglas et une palette de peintre qui aussi avait un film holographique à sa surface que j'ai intégré dans la valise. Je dirais que j'y ai vu une conjonction entre la notion d'éphémère qu'il y a dans la performance, qui est une facette un peu immatérielle comme pratique artistique, et l'immatérialité ou l'évanescence de l'image holographique en général. L'image holographique ne pouvait apparaître et ne peut toujours apparaître que lorsque la lumière est au bon angle et que le regardeur est au bon angle lui aussi, ce qui est variable. C'était assez intéressant parce qu'il y avait un côté insaisissable qui est la nature même de l'image holographique. Soudainement, à un angle de rue, en m'arrêtant, bref, on pouvait voir apparaître un effet arc-en-ciel très coloré, très vif, une espèce de volume lumineux, coloré, qui occupait toute la valise et même parfois projeté un peu à l'extérieur grâce à la lumière du soleil qui frappait au bon angle, mais tout en sachant que c'était pas tout le monde qui voyait la même chose en même temps. J'ai réfléchi justement à cette notion-là de voyage et comment, en utilisant une vidéo, j'allais pouvoir évoquer cette notion-là de voyage. Ici, de concevoir un vidéo, un plan, une action, un tournage que j'allais aller répéter à Venise, idéalement avec les mêmes compositions, les mêmes repères, si on veut, visuels, avec exactement la même action qui était tout simplement un échange de la valise entre moi et mon frère jumeau. Ma réflexion autour de ça est très porté sur justement c'est quoi l'importance de ce lieu-là qui sont à des kilomètres et des kilomètres alors que l'action est la même. On a réalisé une intervention où on s'échangeait à valise puis on a été à la Biennale ensemble. Puis cet aspect-là d'être mis en situation où les gens te regardent, où les gens cherchent à identifier ou à trouver la différence, si on veut, en deux individus, bien, je trouvais ça intéressant, ce parallèle-là à faire entre ces deux tournages-là, ces deux scènes-là qui semblent être la même mais qui sont complètement différentes. Important pour nous de travailler, c'est beaucoup par rapport à la transparence, l'idée de la démocratisation, puis à travers le voyage aussi, comment une œuvre d'art peut voyager, mais au-delà de l'œuvre d'art, comment l'atelier de l'artiste peut voyager. On est parti de cette idée-là, de l'estampe qui est démocratique, qui voyage.
On associe ça à l'idée de la valise transparente. Puis on a créé l'atelier de l'artiste, qui est transparent, qui est visible pour tout le monde, mais qui est transportable d'une place à l'autre. Alors on est débarqué dans notre parcours avec notre valise transparente. Elle contenait tout ce qu'il fallait pour notre atelier, c'est-à-dire une presse, une matrice, des encres, tout ce qu'il nous fallait pour déployer notre atelier un peu partout dans les rues de Venise. On ancrait notre matrice, on l'imprimait. Puis ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on remettait les impressions originales aux gens qui passaient ou qui s'arrêtaient, qui venaient poser des questions, qui s'interrogeaient un peu sur notre performance. Puis cet échange-là est intéressant parce qu'en leur remettant l'estampe originale, bien, il y avait vraiment l'idée du contact, la discussion qu'on pouvait échanger avec eux, ce qui était très riche. I was really interested to work with water. Like, what is, you know, it's the same water. Like, you know, some people are using it to bath and to swim and to have a good time. And some people are using it as a conduit, as a way to survival. And so I was thinking, like, what is the element of water that sort of we can find like a metaphor? And I thought of salt. So my performance, sort of a video performance, was all involved around salt. The British say the salt of life. It's just like if you want to talk about life, you talk about salt. From a metaphorical point of view, it's an element that has such strong connection to various reality. I was thinking also Mediterranean, that with the crisis that we have in the Mediterranean, with all the immigrants that are coming from other shores of the Mediterranean. Notre objectif en tant que duo AZ était vraiment de une suite dans la mouvance du travail qu'on fait ensemble en sculpture. Donc le duo AZ se sert de mannequins pour les sculpter, les couper, en tout cas les travailler. Et donc, pour les valises transparentes, on a pensé utiliser des petits mannequins pour qu'ils s'insèrent à l'intérieur de la valise, dans des positions plutôt érotiques, okay? Avec évidemment des plumes pour indiquer un petit peu la légèreté, justement, de l'érotisme et de la sexualité. Il faut penser que circuler avec des valises transparentes à travers les aéroports, où est-ce qu'on fait des escales, par exemple, entre autres, ben, c'est très intriguant. Les douaniers ont tendance à fouiller les bagages et donc pensent que les gens cachent quelque chose. Nous, c'est vraiment, et c'est là le paradoxe, c'est complètement inversé. On arrive avec des valises transparentes, donc tout est apparent, et le plus cocasse, c'est que ça devient louche. Et en fait, ce qui fait aussi, là, je pense, aussi un des points intéressants de ce projet, que nous sommes toujours dans l'attente. Oui, nous savons, il y a une valise transparente qui s'est déjà construite, et la même copie qui se répète, mais qu'est-ce que les artistes ils vont faire la suite? Parce qu'il y a des solutions inattendues qui donnent au projet des allures les plus différentes, des allures qu'on ne les attend pas.